Quelle est l'importance de se projeter, d'avoir une vision sur ce que l'on veut être dans 3 ans? Dans 3 ans, ou même dans 1 an, je pense qu'il faut savoir où on veut aller, peu importe le timing. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question, David. En fait, moi, la première fois qu'on m'a posé la question, il y a quelques années, en fait, je pense qu'il doit y avoir 5 ans, quelqu'un m'a posé la question et m'a dit, mais où est-ce que vous vous voyez dans 3 ans? Je me suis senti vraiment très mal. En fait, j'avais aucune idée de où je voulais me trouver dans 3 ans. Et au-delà du mal-être que ça m'a causé, c'était que si je ne sais pas où je vais dans 3 ans, c'est principalement au départ parce que je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas ce que je veux. Je pense que c'était ça le plus grand souci. Et c'est suite à ça que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est là que j'ai découvert l'importance de savoir dans quelle direction on va, parce que c'est à travers la direction qu'on se donne que l'on se découvre. En fait, c'est ça qui est important. Ce n'est pas tellement d'atteindre son objectif. Donc, se mettre un objectif qu'on peut atteindre, est-ce qu'on peut l'atteindre ou pas, c'est pas tellement ça le but. Le but, c'est de se mettre en mouvement, parce que c'est dans la mise en mouvement, dans la découverte de ce qui nous fait bouger, que l'on va découvrir qui l'on est. Donc, c'est ça vraiment en fait l'importance, c'est découvrir qui on est à travers le fait d'avoir une vision. Au-delà de ça, après, quand on regarde la littérature de succès, c'est-à-dire les gens qui se sont intéressés à tout ce qu'est-ce qui fait que quelqu'un a du succès, qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'a pas de succès, même si le succès c'est quelque chose qui se définit, hein, le succès est différent pour chaque personne, mais il y a des gens qui se sont intéressés à ça, qui se sont dit, tiens, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne est heureuse, qu'est-ce qui fait qu'une personne n'est pas heureuse, et qu'est-ce qui fait qu'une personne va atteindre les objectifs qu'elle se donne et l'autre pas. Et en fait, ben, une des toutes premières clés qui est commune à toutes ces recherches, c'est de savoir dans quelle direction on va. Et en fait, très peu de personnes savent répondre à cette question. Voilà pourquoi c'est important dans notre travail et voilà pourquoi on a mis ça en évidence dans Reach. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube et rendez-vous sur carrefourdesreussites.com pour recevoir vos invitations à de nombreuses webconférences organisées par le Carrefour des Réussites.